voici la gerbère de Fiscard. Quand même laborieux, hein? Ouais. Pareil, gros sardette. C'est léger, par contre, fait que ça se travaille bien. Mais j'aurais dû me prendre plus large un peu. C'est quand même pas pire de tronc. Mais pour le poids, là, regarde de se finir un bout avant de te fatiguer. Mais la poignée est pas antidérapante. Non, c'est ça, hein? Là, je trouve ça dangereux parce qu'elle me glisse dans les mains des fois. Ça te prend des gants avec du caoutchouc. Ça, c'est le coup de grâce. Hein? Les coups de grâce, on l'entend. Ouais. Je vais pas vite, là. Il commence à être plus prigneux, effectivement. Mais ça coupe, y'a pas de trouble. Attends, je devrais pas me la casser dans les jambes. Ouais. Tu vois? C'est ça que j'explique. Hey! Avec un bon coup de tête, ça ferait. As-tu des gants avec du caoutchouc? Non, je l'ai là à main nue. À main nue non plus, il paraît que c'est pas genre. Ouais, ça glisse beaucoup moins. Bois, je l'ai. Okay. Il est plus solide qu'il y a ça. C'est quand même moins 20, pas loin. Plus que ça. Ouais, encore. Ça va prendre du tape, hein? Yeah! C'était Martin Blanchette de Champlain pour les évaluations de la H. Gerber Fiscard. Voilà. 7 janvier 2012. Ouais, ça travaille bien, c'est hyper léger, ça coupe, c'est terrible. Deux désagréments. Le manche glisse trop. Puis à long terme, j'ai peur que les côtés en plastique finissent par fendre. Se maganer. Là, parce que c'est comme du plastique moulé autour de la masse elle-même. Fait que, la longévité, je sais pas. Mais combien t'as payé ça? 60. Je sais pas si ça va battre une bonne vieille Lee Valley. Là, fait que, on va le voir à long terme.